Bienvenue sur la chaîne Tian Gaming. Alors aujourd'hui, il y a une vidéo maintenant, c'est normal, on est jeudi, d'habitude il n'y en a pas, mais j'ai décidé d'en faire une parce que en fait, je suis pas là jeudi, non pas jeudi, pas aujourd'hui du coup, mais je suis pas là samedi et j'ai voulu la vidéo de samedi, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo World of Tanks, un jeu qui revient à la mode. Donc ça c'est le char, je crois le plus fort qu'on a, donc le PZ-S35. On a le PZ-2 qui est depuis pas longtemps une petite bombe de merde. Si j'ai gagné quelques combats avec celui-là, donc qu'est-ce que j'ai d'autre? Le LTR, alors celui-là ça a été mon deuxième char. Des fois il est pas mal, ça dépend pour quelle situation en fait. On va prendre celui-là, on va faire un petit combat. Donc ça dure ça dure le temps que ça dure. Et donc il y a une base, il faut la prendre cette base. Donc la mine, c'est la map où je suis le plus fort. Donc en bleu, il y a des petits points bleus, c'est les personnes qui nous tuent, nous alliés, et qu'on a le droit de les tuer du coup. Donc le T82 et Valentine AT. Je sais qu'il y a des fans derrière ma vidéo qui sont fans de World of Tanks, donc ils pourront me conseiller sur certains trucs que j'ai peut-être mal fait. Donc voilà, donc on va, donc en général pour bien tailler un char, le tuer ou le machiner, faut le faire au moteur ou alors dans les chenilles, donc c'est les roues quoi du char. Donc on commence. Et donc du coup, là on se retrouve, donc ça c'est notre équipe de bolos qui ne marche même pas sur les palissades, donc apparemment. Donc, voilà, donc le drapeau se situe un petit peu plus loin, mais moi vu que je connais pas cette map par cœur, je l'adore. Je suis trop fort sur cette map, franchement. Qu'est-ce qu'il a lui? Il y a qu'un petit point. Je ne sais pas ce que ça veut dire, il y a certaines choses encore, mais je pense que je vais m'améliorer. La map en fait se situe presque au bout du jeu en fait. Capturer la base, affirmatif. Donc on va essayer d'aller capturer la base pour que nos ennemis du coup ne la prennent pas. Voilà, on va essayer de la défendre au max. Donc on voit des petits points là. Voilà, et une rampe, ça veut dire qu'on s'est fait repérer par un ennemi. Voilà, et on est en train de se faire tirer dessus. En plus, donc on va essayer de repérer qui c'est qui nous tue. Et on va essayer de lui tirer dessus au moins une fois. Le petit bâtard il se cache sur la colline. Oh oui, je t'ai vu toi. Là, regarde. Boum. Et oui, on l'a eu. Oh, on lui a fait 63 de dégâts et on est mort. Et là, normalement, boum, oh, à côté, voilà, bon, ça c'était, on est mort. On est déjà mort, franchement, c'est pas terrible. Donc tant pis, on retourne au garage. On va se refaire une petite partie, parce que c'est tout le temps comme ça. C'est pas terrible du tout, voilà. Bon, on va faire du coup, pas avec celui-là, mais avec celui-là, donc le PZ2, non. Je vais même pas faire une autre bataille, vous avez vu un petit peu, mais c'est dommage que vous ayez pas mieux vu. Donc on a des clans, voilà un clan. Et 9 en ligne pour l'instant. On peut faire des. Donc avec par équipe, on peut faire des combats par équipe. Donc c'est ça qui est bien sur World of Tanks. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc là vous avez tous les chars. Donc là il est en bataille, donc vous pouvez le voir. Celui-là, voilà. Vous pouvez acheter des consommables. Donc consommables, c'est ce que va manger l'équipage. Ça c'est du carburant, des barres et tout ça, des munitions, voilà. Donc il faut tout le temps en avoir. Là il en faut 320. Donc il en faut pas mal. Là des boîtes à outils, etc. De toute façon il y a plein de choses. Voilà. Ensuite on a des provisions, donc c'est ce que je vous ai fait montrer tout à l'heure, des équipements. Et donc on va se refaire un petit combat avec ce char là. Et celui-là, à ce moment je suis pas mal sur celui-là, donc on retourne sur mine. D'accord, donc pas mal, on sait exactement où et tout. Mais ils nous remettent sur ce truc là, donc c'est parfait. Donc on a trois personnes qui sont potentielles de pouvoir nous tuer nous. Donc il faut qu'on fasse attention, et donc deux personnes de l'autre côté, donc c'est pas mal. Mais... Donc du coup, on va refaire un combat parce que je voulais pas que l'on ait la même carte. Voilà, c'est pas logique. Donc on va prendre Rail Mortel. Et donc là, c'est plus équilibré déjà. On est quand même pas mal fort. Là, c'est différent parce que c'est dans le... il fait froid, il y a de la neige.
Et il y a des maisons, et il y a des trains, et il y a des trucs partout, donc ça va être galère. Si le jeu veut bien charger. Donc voilà, allez, on avance, tranquille, voilà. Alors, un petit lag. Le drapeau n'est pas encore pris. Par contre, là, allez, on a la lumière qui s'allume, c'est pas très très. On va essayer. Voilà, donc il y a des d'autres personnes qui y vont, donc c'est pas mal. Par contre, je sais pas où qu'on s'est mis, mais là. Oh, bordel. Faut qu'on tourne. Ah là, non, mais. Là, dans le caca, par contre. Ah, on est mal, on est mal. Ah, il est juste devant en plus. Ah non, là, c'est mort, c'était mort. Donc, on a perdu, on a gagné. On a gagné 14 d'XP, 14 d'XP, et on a gagné 2466, donc on a et moins 230 de crédit parce qu'on n'a pas fait de dégâts à un seul char, on s'est fait des dégâts à nous-mêmes. Donc, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo. Donc, c'est sur World of Tank. C'était simple, un peu galère. Mais ça a quand même été. Donc, voilà, notre char. Pas mal, pas mal. Il est bien, sauf que le camouflage, on le voit pas. C'est bizarre. Allez, par ça, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Donc, sur Titan Brawl. Allez, ciao. Bye bye. J'espère aussi, pardon, que samedi, je ne suis pas là. Voilà. Donc, il n'y aura pas de vidéo. Allez, ciao. Bye bye.